Salut tout le monde, c'est Largouin, on se retrouve pour l'épisode 9 de Rogue Legacy où hop, on peut commencer donc Hunter, continuer votre quête. Et là du coup on avait débloqué, donc je sais plus trop son nom, je crois que c'est l'Enchantress, il faut aller voir là. Et bon, on a le mec Floug, évidemment. C'est l'Enchantress, voilà, déverrouiller l'Enchantress et accéder à ses runes et pouvoirs magiques. Donc il me semblait qu'on pouvait avoir avec elle des armes en plus d'ailleurs. Donc là, salut héros. Puis-je attirer votre attention un instant? J'ai besoin de votre aide. Ah, on doit l'aider du coup au début. J'étais autrefois une enchanteresse très puissante, mais un jour les monstres du château ont fait irruption dans mes rêves et ont volé mon savoir. Ils ont fermé ce savoir dans des runes et sans elles, je ne sais plus rien faire. Oh putain, c'est à ça qu'elles servent les runes et les papiers qu'on trouve? Attendez, est-ce que les papiers qu'on trouve c'est des runes? Je crois, mais je suis pas sûr. Je vous en prie, héros, si vous trouvez des runes, ramenez-les-moi, et je vous les revaudrai pour votre plus grand bénéfice. Revendrai. Ok. Ah, et ouais, du coup, là, on a 160, ah, ok, putain, j'ai que 100. Et ouais, ok. Ok, donc là, on a quoi? Rune saut, un home. Vous offre la capacité de sauter en l'air, cumuler les runes pour effectuer des sauts multiples. La rune de saut qu'il nous faut. Je crois que c'est le truc qui permet de faire double saut. Accélérer sur des courtes distances. Ok, donc ça c'est... ça doit faire ça. Le truc de double saut il me semble. J'ai vu le truc comme ça, donc 175. Ok, et il faut des runes de saut. Bon, on sauvegarde l'architecte. Et du coup on va essayer de trouver des runes de saut. Je sais pas trop exactement où c'est. Amusez-vous bien, etc. Vous trouverez peut-être des trésors, voilà. Alors, Caron, là, évidemment. Le passeur. Et là, du coup... Ok, là, on arrive sur une salle comme ça, voilà. Enfin, la salle de base. On a... ouais, on avait débloqué plein de trucs. Les verts, c'est coffre magique. Les oranges coffres à ouvrir. Oh cool, on peut savoir les coffres à ouvrir. Position du boss. Ok, ouais, on l'a pas encore trouvé. Pièce bonus en point d'interrogation. Ensuite coffre ouvert, c'est truc débloqué. Et on n'a pas. Bon, les salles c'est déjà indiqué. Alors là, perso, j'ai envie de monter, genre. Voilà, bon là on va prendre ça, mais du coup là j'ai envie de monter en haut. Donc s'il y a moyen de tac hop hop putain j'ai perdu l'item quand même. Ok, je fonce, je fonçais à l'arrache. En vrai j'ai le perso qui voit flou, donc c'était hyper compliqué, je sais pas comment on aurait pu y aller. Alors là, Henrietta, alectrophobie. C'est quoi ce truc? Vous avez peur des poulets? C'est trop drôle! Insensibilité contre les nitales à la douleur. Vous ne connaissez pas la douleur. Une héroïne audacieuse, statistique faible, mais peut infliger des attaques critiques dévastatrices. Sort, faux, envoie des faux qui s'envolent au-dessus de vous. Ok, bouclier de garde et tout. Vous avez deux mains gauches et vous êtes incapable de jeter des sorts correctement. Ça peut être drôle, mais... Invoque une grande lame pour vous défendre. Il n'y a bouclier de garde, il n'y a pas de fuyère. En vrai, il y a quoi? Lance une hache géante, envoie des faux qui s'envolent au-dessus de vous. Celui-là. Bon. C'est, en vrai, je le prends surtout parce que attendez, c'était quoi déjà? Putain, je crois que j'ai oublié le trait. Ah oui, c'est son arme, voilà. Son arme spéciale en fait. Je la trouve meilleure par rapport aux autres. Donc bah voilà, je la prends. Alors, bon, en tout cas, il est plus grand que l'autre. Je sais pas si c'est un géant, lui, ou si c'est un normal, du coup. C'est... Bah en vrai, j'ai l'impression que c'est un mec de taille normale. Et que c'était juste l'autre qui était géant. C'est marqué quoi là, du coup? Entrée 1, 2. Ok. Et du coup, un assassin a blessé mon père. Et... Ah ok. Du coup, bon, attendez, je vais pas lire ça, voilà. Et du coup, on a tous les extraits qui se recueillent ici dès qu'on en trouve. Ok.
Hop. Ah ouais, putain, on perd les pièces comme ça. Dac. On va remonter comme ça quand même. Parce que là, voilà, le but à moi. Oh, j'ai eu. Ok. Là, j'y suis déjà allé. Et non, il faut. Ok. Moi, je voulais aller par là, en fait. Voilà, j'étais pas allé là. Ici, est-ce qu'il y a moyen de passer? J'ai combien de vie? J'ai presque pas de vie. Je vais mourir dans... Attends. Je vais vraiment mourir au prochain coup. C'est quasi sûr. Ah, ok. Putain, ouais. Bon, on va essayer de... En vrai, j'ai envie d'essayer de passer là. Maîtriser les runes de mobilité rend très fort. Rend très fort? C'est pas juste très rapide. On voit des orbes qui rebondissent partout. Ah, j'aurais pu utiliser l'attaque de faux, en fait. Là, je suis à 72, putain. Le pack d'or m'a pas été utile. Ou alors, j'ai pas réussi à le ramasser. Parce que tout à l'heure, on a eu un gros sac d'or qui était loot. Mais du coup, on l'a pas eu. Alors, là, Caron, voilà, on rentre. Et du coup, on va essayer de monter en haut cette fois. Parce que du coup, c'est un peu plus compliqué. Enfin, non, en vrai, je sais pas lequel est le plus compliqué. Si monter là-haut comme ça, ou si c'est l'autre. Oh putain, on saute. Comme ça, ok. 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 Et nickel. Merde. Je voulais, ok. Ok. Hop, 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 hop. Ah ouais, on casse directement les trucs. Ok, coup critique. Oh putain. PV récupéré. Nickel. J'ai même pas fait exploit en plus. Là, bon, c'est un vrai tableau. Ok, nickel. C'était quoi notre trait? Parce que là, en tout cas, on casse les trucs juste en marchant dessus. Il faut... ouais, il faudrait que je retienne ça dès que je serai au montage, en tout cas, si je le vois pas là. Je retiendrai ce que c'est exactement, parce que du coup, franchement, c'est cool ce truc. C'est quoi ça? Vous allez prier pour demander de l'aide. What? Bénédiction d'Hélios. Entrez pour continuer. Ah, cool. Hélios, le dieu du soleil. Je sais pas pourquoi on prie pour lui, d'ailleurs. En quoi il y a le soleil qui joue là-dedans? On est dans un manoir, mais bon. S'ils veulent. Si c'est leur kiff. Voilà. Ok. Ok. Toi, nickel. Putain, mais du coup, c'est beaucoup trop rapide. Ok. Ok, on est à combien de d'or? Ok, c'est bon, il peut pas attaquer à travers le mur. 90. Et ah, attendez, la bénédiction d'Hélios, c'est quoi du coup? Parce qu'on le voit en attaque spéciale, j'ai l'impression. Donc putain, j'ai peur que ce soit à moi. Que ce soit pas à moi et que ce soit une attaque. Mais du coup, ouais, c'est quoi le truc? Ok, alors on passe par là. What? Vraiment? Attends. Non, on a plus de MP. Ah, what? Vas-y. Je sais pas, je vais voir si je me fais one shot. Oh putain, ouais. Il est violent de loin. Non, mais en vrai, j'ai pas vu combien il faisait. Combien de dégâts il faisait, donc on sait pas en réalité. Parce que du coup, on n'avait plus beaucoup de vie déjà. Mage, Nanis, bon, on vous refuse toujours l'accès. Ok. On voit des faux qui s'envolent au-dessus de vous. Avec une grosse lame. Alors, la grosse lame. Non, en vrai, je sais pas. Descend et téléporte jusqu'à votre ombre. Donc ça. Ça, vu qu'on peut le faire... je sais pas combien de fois on peut le faire, mais en vrai, ça doit être vachement utile. Alors là... Combien il faut? Bah ouais, parce que j'ai pas assez d'or du coup. Pour ok. Appuie sur A pour pousser un cri assourdissant qui repousse presque tout. Ah bon, attendez. On a vraiment ce truc. Il est au max. Ah ouais, ok. Bon, on va essayer du coup. Un cri de barbare. Putain, on a un cri de barbare quoi. J'étais même pas au courant qu'il y avait un cri de barbare. Mais du coup, il y a deux emplacements pour les attaques spéciales. Peut-être qu'il y en a une qui est attaque normale et une autre qui est différente. Donc là, si on a modifié les commandes,
Voilà. On a spécial A. Ah, il y en a une en A en spécial. Ouais, non, ok. Ensuite, on a E, jeter un sort. Ah oui, ça c'était juste jeter un sort. Ensuite, accélération droite et tout, gauche, spécial, attaque et tout. Ouais, donc on a spécial en A. Voilà, et du coup, accélération droite en F, apparemment. Donc ça, je sais pas ce que c'est. Ça permet de courir plus vite. Non. Je vois pas. Non, en vrai, je vois pas la différence si j'appuie ou si j'appuie pas avec. Donc bon. On va essayer de voir ce que ça donne, mais apparemment ça donne rien. Ok. On n'a pas le caractère qui va tout détruire. Mais en vrai, le caractère qui détruit tout est vraiment hyper hyper utile. C'est quoi ça? Les trucs comme ça? Il y en a la masse des points rouges. C'est quoi les points rouges? Ah, oh, c'est les ennemis, ça me les... Oh! J'ai un truc qui montre les ennemis, ok, ça aussi faudra le retenir. Mais du coup, j'ai un truc qui montre les ennemis. Où ils sont? Ok. Je vais par là. Nickel. Là. Ok. On passe par là. Ensuite... Ouais, on va redescendre. Ici, j'y suis déjà allé. Et ouais, il y a plein de trucs. Ah, est-ce que ça montre les... même les blocs qui font chier. Ok, nickel. Les MP récupérés. Voilà. Ok, alors on a besoin de... combien d'or? Voilà. Et... voilà. J'arrive à casser comme ça aussi. Alors, on a besoin de... ok. On a besoin de 175 or, je crois. Ouais, ok, c'est ces mobs-là, ouais. Ah, à la limite. Voilà, j'en tape un. Ok. Ok. Putain, merde. Putain, merde. Ok, j'en ai tapé deux. Ok, j'en ai tapé un. Ok. Ok. Oh putain, je suis mort. Putain, mais en vrai, il y en a beaucoup trop ici. Genre, je peux vraiment rester ici. J'en ai tué un seul sur tous ceux-là. En vrai, c'est pas les mêmes en plus qu'ils attaquent. Oh putain, celui-là, il est pas mal. Votre vision de loin est trouble. Ok. Mais du coup, celui-là, il est pas mal. 36 heures, bon, on n'en a pas beaucoup. Et putain, on voit flou. On voit flou, les gars. On voit flou, mais c'est abusé. C'est pas du tout le trait qu'on veut, quoi, voir flou. Bon, du coup, amusez-vous bien, etc. Ok. Et putain, mais il est petit en vrai, non? J'ai l'impression qu'il est petit aussi. Ou alors c'est juste un barbare qui a vraiment beaucoup de muscles et qui n'est pas en mode très très grand non plus. Il n'est pas minuscule en fait. What? C'est quoi ce truc? Ah non, ok, je croyais qu'il y avait eu un mouvement bizarre dès qu'il descendait. Mais non. C'est tout à fait normal apparemment. Ok. Moins 10 MP et là je suis à je sais pas combien. Donc voilà. Voilà. Nickel, on passe par là. Là. Ok. Là, je sais pas s'il y a moyen de... ok. Ok. Merde, 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 ok. Alors. Vas-y, meurs. Voilà, c'est bon. Il y en a un qui est mort. Le deuxième, il va aussi mourir. Voilà, nickel. On prend son or. Là. Ok. Là. Ok. Ok. Putain, toi, fais pas chier. Ok, nickel. Ok, nickel. Merde, putain. Ok, j'arrive un peu mieux à gérer au moins. Ok, nickel. Putain, je vais... ok. Tac, hop, on remonte. Hop,
Non, putain, fais pas chier. Ok. 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 Non. Ok, c'est bon, là, on n'est pas mort encore. Ok. Ok, ok. Putain. C'est galère, quoi. Oh. Oh non. Putain, non, il y avait ce... Putain, il y a ce saut dès qu'on atteint une plateforme. Bon, au moins, j'ai réussi à m'entraîner un petit peu au saut, quoi. C'est principal, quoi. Mais, putain, mais c'est galère, quoi. Putain, il est minuscule, là. Là, c'est tout petit. Bon, ce qui est bien, c'est que pour le moment, j'ai toujours pas oublié l'architecte. Donc, bon, ça va. Sachant que, je pense que c'est parce qu'il y a aussi, bon, voilà ma âge aussi, donc, j'ai un peu moins de chance de l'oublier. Parce qu'avant, il y avait peut-être moins de trucs. Et du coup, je l'oubliais plus facilement. Mais bon, en fait, ça, c'est à voir avec le futur. Tout petit, est-ce qu'on va réussir à m'atteindre facilement? Logiquement, les mobs sont attirés par moi, donc, ça devrait pas être un problème pour eux. Non plus. Putain, que j'ai foutu, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait. Ok. Ouais, c'est vrai. Merde. Là. Nickel, il y en a un. Ok, ok, ok. Vas-y. Tac. Ok, putain, ils se mettent juste à un endroit où je peux pas les attaquer avec celui-là. Bon, en vrai, de base, je sais pas s'ils ont prévu par rapport à la taille, les mobs. Mais, du coup, je peux pas les attaquer si je suis, s'ils se rapprochent de moi. Parce qu'ils se rapprochent assez, pour pouvoir être vraiment hyper proche. Mais moi, je peux pas les attaquer. Putain. Ok, je... Putain, vraiment, je vais mourir là. C'est abusé. Ok, on descend. Là, je suis déjà passé, là aussi. Non, là, il y a la masse de mobs, on sait tous. Voilà. Alors. Voilà, on passe là. Nickel. On a un peu d'or. Voilà, encore un peu. Voilà. Ah, mais du coup, ouais, il y a juste à appuyer sur la touche du bas. Et à appuyer sur le gladiateur. Ça devrait suffire. J'ai pas envie. Voilà, de mourir. Putain, j'ai eu de la chance. Non. Ah, hop. Yes. Coucou. Il y a un téléporteur. Oh, bah, on se téléporte. Oh, yes, il y a un autre téléporteur. Et, ok. Là, c'est déconseillé d'y aller, mais bon, on va y aller quand même. Yes. Voilà. Ok, alors. Enfin, d'y aller dès le début, quoi. Putain. Ouais, ils sont beaucoup trop forts, les mobs. Je vais quand même essayer de foncer pour débloquer des salles. On aura peut-être la salle du boss en vrai, le deuxième, en avance. Mais du coup, là, voilà. Bon, là, on a fait un bon avancement. Du coup, on va voir pour le bas, les tréfonds plus tard. Donc voilà, donc là, c'est la fin de la vidéo. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Largo. Tchuss.